Naruto. Qui êtes-vous ? Essaye de deviner qui je suis, Naruto. Oh, oh, impossible. Alors ça y est, tu as trouvé ? Tu es la vraie forme du démon renard à neuf queues, avoue ! Femme pour essayer de me duper ! Est-ce que j'ai fini de faire des films pour cette boîte ? Là, je me suis laissée emporter. Mais dis-moi, et toi alors ? J'espère que tu n'as pas hérité de mes tics de langage bizarroïde. Eh oui, Naruto, je suis ta... J'ai tellement attendu ce moment. Maman. Bon sang. T'avais fait quelque chose, Yamato. Non, on dirait qu'il a arrêté de lui-même le processus. Oh. Ah. C'est toi, Kushina. Tu es tellement belle. Je suis vraiment content. Merci du compliment, ça me touche. Et franchement, tu as des cheveux magnifiques, rouges et lisses. J'aurais adoré avoir les mêmes. Je voudrais que tu me dises comment tu as fait la connaissance de papa. Bien, alors... Tout a commencé le premier jour de mon arrivée au village de Konoha. Notre académie accueille aujourd'hui une nouvelle élève. Je vous présente... Je m'appelle Kushina Uzumaki, bon sang de bois. Le jour où je serai la première femme de ce village à devenir Hokage, vous verrez. Moi aussi, je veux devenir un grand Hokage, admiré de tout le village. Je me moquais de ses ambitions et je refusais de croire un instant qu'il puisse devenir Hokage. Lancé comme ça devant tout le monde que je deviendrais Hokage, je ne manquais pas de culot. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera la tomate. T'as un gros visage rond. Et des cheveux rouges. T'es une vraie tomate sur pattes. Priez. Je ne voulais pas l'admettre, mais ça m'allait vraiment bien. T'as intérêt à la fermer, bon sang de bois. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je rendais toujours la monnaie de leur pièce à ceux qui osaient me traiter de tomate et... Kiba et Shikamaru m'avaient prévenu. Y a rien de plus effrayant que les mères. Comme ça, c'est toi la fille qui passe son temps à faire pleurer mon petit frère. C'est parce que lui aussi passe son temps à me chercher des noises. Et c'est qu'une mauviette. Je suis obligée d'apprendre les bonnes manières à ceux qui maltraitent mon frère. C'est un vrai kunai. Dis donc, ils sont vraiment très rouges. En plus, ils sont rêches comme de la paille. Ma pauvre, t'as des cheveux horribles. Que ça me plaît d'avoir des cheveux affreux. Le piment rouge sang tabasse mon grand frère. T'es qu'une étrangère. Tu veux pas m'aider, toi non plus? C'est parce que je suis pas du village, c'est ça? Bien sûr que non, je... Menteur! Pour un incident m'a fait aimer cette chevelure rouge si particulière. Il y a quelqu'un? Personne? J'ai laissé mes cheveux rouges sur la route pour signaler le chemin que nous empruntions. L'espoir s'était envolé. Oh oh. Ça n'a rien à voir avec des bagarres d'écoliers. Et je n'aurais pas... Tu n'aurais pas quoi? Je n'aurais jamais pris le risque de te perdre. C'est cette nuit-là que Minato m'est apparu comme étant un grand ninja. J'ai su qu'avec lui, je pourrais réaliser tous mes rêves. Il y a des mots que je réserve aux hommes qui m'ont fait des compliments sur mes cheveux.